Bonjour tout le monde. Vous savez, il y a des choses souvent, on se dit, on va fermer l'œil dessus. Et bien, si cette chose-là dure 10 ans, 8 ans, 9 ans, il faut parler. Donc, je vais parler de la paix. Je parle de la paix. Et bien, je vais parler comme ça. En tout cas, j'ai prié parce que j'ai demandé à Dieu de contrôler ma bouche. OK? Parce que dans la vie, il faut apporter des choses qui vont changer la vie des gens. Changer la vie des gens. Donc, je suis là pour dire. Il y a les choses, quand ça déborde, quand ça passe, il y a des limites que, quand c'est arrivé à un autre stade, quand c'est débordé là, il faut agir. Il faut ouvrir sa bouche là, il faut parler. Là, quand tu ouvres ta bouche, en tout cas, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu parles, alors le serpent qui te dérange là, il te laisse. Le serpent, le diable. Parce que souvent, je vois les messages où on dit, souvent il ne faut rien dire. C'est vrai. Il y a des situations, il ne faut pas parler. Mais il y a des situations, c'est pas toutes les situations. Il y a des situations, tu ne par exemple, il y a des gens qui, sur le YouTube, la personne, j'avais vu le pasteur que j'aime beaucoup, Joe Austin, qui a dit, parce que lui, on l'insulte tellement. Donc, il a dit que souvent, quand on écrit les commentaires, là, c'est fermé, c'est caché en bas là-bas. Donc, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas pour regarder. Mais aussi, parce que j'ai fait des vidéos, il y a une vidéo là qui est toujours devant, qui s'en va, quoi. Qui est 100 à l'heure, ok? Tout le temps, c'est en haut. Donc, la vidéo que j'ai faite, il y a des gens qui ont besoin d'aide là-bas. Donc, souvent, ils m'écrivent. Et si à cause d'eux, un individu là, quelqu'un méchant là, il y a des gens qui ont besoin d'aide à cause de c'est vrai ce qu'il a dit. Mais aussi, il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui vont écrire. Si c'est à cause d'une personne, tu ne vas pas aller pour voir qui a besoin d'aide. Donc, souvent, je suis obligée d'aller là-bas voir ceux qui posent des questions pour les aider. Donc, il y a les gens qui insultent. Donc, dans des situations où la personne est éloignée, il insulte, ça va. Tu t'occupes pas de ça. Moi, ça me, les injures, là, ça me dit rien. Mais s'il y a des choses qui durent pendant des années et tu fermes les yeux, tu ne dis rien, à un moment donné, là, tu ouvres ta bouche, tu parles. Parce que lorsque tu n'agis pas là, l'ennemi pense que tu ne l'as pas reconnu. L'ennemi, moi, mon ennemi, c'est le diable. Lorsque je n'ai pas de paix, parce que la parole, je vais lire la parole ici, là. Dans Jean 14, verset 27, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Alors, lorsque quelqu'un vient te déranger, ça veut dire que toi tu es en paix là. Et puis quelqu'un là, parce que eux là-bas là, ils n'ont pas la paix. Dans le monde, ils n'ont pas, les gens du monde, ils n'ont pas la paix. Parce que le diable veut utiliser quelqu'un pour te déranger. Et alors ces gens-là, si tu ne les mets pas à leur place là, ils vont toujours continuer à te déranger. Donc souvent, c'est pour ça que j'ai dit souvent, hein, Jésus a parlé dans Matthieu 4, verset 4. Il a chassé le diable. Donc souvent, parce qu'au début, là, moi je n'avais pas, je ne comprenais pas. Au début, la personne parle. J'évite. Ça fait longtemps, regardez. Ça là, je porte ça. C'est noir, je porte du noir, toujours. C'est ça là, je porte. Ok? Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette personne. Ça là, je porte ça. Ok? Ah. Donc,
En tout cas. Donc, c'est comme ça. Dieu nous est donné. Dieu nous dit, je vous donne. Donc, quand quelqu'un est dérangé dans sa tête là-bas, ça veut dire que quand le diable dérange cette personne, il faut mettre cette personne à sa place. Moi, les histoires de... si c'est richesse là, moi Chantal, si c'est... où ils sont en train de lutter entre eux dans le monde là, moi je vous dis que moi je ne fais pas partie de ce monde là. Je suis pas... les choses du monde là ne m'intéressent plus. C'est les choses célestes, c'est les choses de Dieu là qui m'intéressent. Les choses du monde, je vais vous dire quelles sont les choses du monde. Les choses du monde, par exemple, une fois je suis allée chez ma copine. Et là, j'ai vu, elle me dit, oh, que j'ai vu, j'ai dit, ben c'est joli et tout ça là. Elle dit, ben Chantal, c'est parce que je n'ai pas mis de décoration. Je dis, ben pourquoi tu n'as pas mis de décoration? Elle me dit, ben toi, je te connais, toi tu n'es pas jalouse, je te connais. Donc, il y a des gens là, quand ils viennent chez moi, c'est eux là, c'est, lorsque je sais que ces gens là sont en train de venir, je mets des décorations à cause de ces gens jaloux. Donc, c'est comme ça le monde vit. Elle dit, Chantal, ben toi là, toi tu ne t'intéresses pas à ces choses-là. Donc, quand tu viens chez moi là, je m'en fous. Et c'est la même chose. Il y a des gens qui viennent chez moi. Souvent, ils sont là, oh, pourquoi tu ne fais pas? Moi, je m'en fous. Je m'en fous. OK? Donc, en tout cas... c'est comme ma copine, comment elle sait? Moi, j'étais étonnée pour voir qu'elle a su que moi, je n'étais pas... parce que ça, je ne sais pas comment eux ils font pour savoir que cette personne n'est pas jalouse, cette personne. J'étais étonnée de l'avoir dit ça. Donc, peut-être, elle voit le visage, je ne sais pas. Peut-être, elle remarque le visage des gens... Je sais pas comment ils font pour savoir si cette personne, c'est cette personne qui est. Ils sont. Elle m'a regardé. Ce que j'ai remarqué, une fois, ben je suis allée, c'est quand je suis allée deuxième fois qu'elle m'a dit ça. La première fois, elle m'a fait monter dans sa chambre. Et elle m'a dit, viens, on va arranger. Elle m'a montré tout. Elle dit, viens, on va arranger mes habits. Et moi, comme j'aime parler là-bas, j'ai cru qu'elle avait besoin d'aide. Donc, quand j'arrangeais, je parlais, je causais avec elle. Et tout d'un seul coup, elle dit, laisse, on va aller en bas. Et puis, ben, on est descendu. Donc, peut-être c'est par là qu'elle a su. Parce que moi, c'est, tu es à la maison, tu n'as pas... mais c'est pas mon problème. Ce n'est pas... ça ne m'intéresse pas. Si les choses du monde m'intéressaient là, le fétiche là, je n'allais pas dire non au fétiche. Parce que le fétiche, c'est appartient au diable. Le diable qui vous dirige, qui vous rend fou, folle là. Et puis vous venez déranger les gens là. C'est le diable qui vous dérange. Donc, si j'avais besoin, je vous ai dit que le diable même, l'argent tombait sur moi comme ça. Moi, Chantal, j'ai dit non à l'argent du diable. Donc, ce n'est pas les trucs du monde, là, les maisons, les voitures. Souvent, ma copine n'a pas de voiture, elle n'a pas de choses. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui sont là, ben, comment ils font? Souvent, quand il y a des mariages, il y a des... je ne sais pas, Maria, il y a une qui m'a... elle m'a même attaquée quand je partais au funérailles, de la manière que je suis habillée. Ça te dérange, mais c'est pas possible. Donc, moi, souvent, je ne sors pas. Je ne sors pas. Donc, parce que je sais qui dirige le monde. Je sais toutes ces choses comme ça. Donc, souvent, je vais dans les... comment on appelle? Si c'est comme quelqu'un est décédé... leur fête là, ça ne me dit rien. Parce que je sais quel esprit qui est derrière. Leur fête là, ça ne me dit rien. Mais si c'est mariage, anniversaire, des choses comme ça qu'on m'a invité, c'est comme on m'a, les gens m'ont respecté, alors ben je m'en vais. Et c'est comme ça. Mais il y a une personne là, chaque fois, comme l'envoyé du diable, tout le temps en train de déranger les gens.
pour me déranger. Comment je vais faire mes cheveux? J'aime mes cheveux. Si tu, toi, tu ne t'aimes pas comme Dieu t'a créé là. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes. Vraiment. Mais c'est pour cela qu'on est là. Parce que souvent, si tu te tais là, si tu ne mets pas le feu là, sur le serpent qui les utilise pour te déranger là, il faut souvent parler. On ne va pas rester là comme ça. Ça fait des années. Il y a une dame comme ça là, qui me demande, ben Chantal, où on fait les soucis? Regardez mes soucis là. Moi, avant, ben j'ai laissé comme ça. Parce que, après ma maladie, il faut que je me retrouve. Quelqu'un que Dieu est en train de délivrer. La personne vient d'être délivrée, ça prend le temps. Ça prend le temps. Donc, avant, je m'habillais, je faisais de mon mieux. Et je ne suis pas quelqu'un qui est là à acheter des sacs de 1000 dollars, les sacs de 3000, les sacs de 5000 pour aller se montrer au monde. Je m'en fous de ça. Si vous ne savez pas ça, là, je m'en fous de vos sacs, de vos habillements du monde. Là. Où le monde va en enfer, là. Je m'en fous. Parce que les gens font ça pour... Je ne sais pas à qui ils veulent plaire. Je ne sais même pas. Ben, je suis pas là pour dénigrer tout le monde. Hein. Moi, c'est que cette vidéo-là, c'est pour moi-même. Parce que prochainement, si ça commence encore, je vais réécouter cette vidéo. Et la parole que je viens de lire, là, ça va m'aider. Cette vidéo-là, c'est pour moi-même. Parce que je fais ça pour que... Prochainement, si quelqu'un vient déranger ma paire, je réécoute cette vidéo-là. Parce que souvent, c'est comme ça. Souvent, les vidéos que je fais, là, ça m'inspire aussi. Quand je réécoute l'inspiration, là, je reçois des choses dedans. Et puis, je vais vraiment en profondeur. Moi-même, ça m'aide. Dans cette vidéo-là, même, c'est pour moi-même. Donc, qu'est-ce que je disais là-même, là? Oui, la dame m'a demandé... Elle n'est pas d'ici, là. Elle m'a dit, oh, Chantal, où on fait les soucis? Et je lui ai dit, ben, c'est quelque part là-bas. Et puis, elle m'a regardé, alors que c'était pour se moquer de moi. Elle m'a dit, oh, je pensais que tu ne sais pas où on fait les soucis. Je sais qui l'a dérangé pour venir me parler. Je sais qui est derrière cette personne. Cette personne va se reconnaître. Et cette personne va être délivrée aujourd'hui. Parce que quand je vais parler, là, c'est pour que la personne soit délivrée. Je suis en train de mettre le feu. Parce que souvent, la parole nous dit quoi? La parole nous dit que les gens n'entendent pas. Mais quand je mets du feu, là, ça ouvre les oreilles. Là, et puis les gens, là, ils sont délivrés de ce que je dis. J'étais choquée. Je me suis dit, je pensais qu'elle voulait aller dans un endroit pour faire des soucis. Donc, c'est de moi qu'elle parle. Et je sais qui l'a poussé à faire ça. Je n'ai rien dit. Ben, comme si je suis quelqu'un qui pardonne. Ben, j'ai même oublié toutes ces choses que je vous dis là. Ce n'est pas parce que je fais sortir tout aujourd'hui. En tout cas, je fais sortir tout aujourd'hui. Mais c'est des choses que j'avais pardonné. Même je n'ai pas considéré. Mais c'est comme c'est quelque chose, chaque fois qu'il y a quelque chose là, il y a des événements là, la personne me dérange. La personne me dérange, je vous dis. Donc, c'est pour cela que je fais ça là. Donc, en tout cas, c'était comme ça. La personne est arrivée encore une autre fois, peut-être après 5 ans, la personne est partie, est revenue après 5 ans. Elle est venue, après 5 ans, elle est revenue. Eh bien, c'est la même chose, la personne dérange tout le monde, tous ceux qui sont à côté. Là. La personne les envoie pour venir me parler. Donc, c'est un peu ça. Là. Donc, c'est pour cela, ben, je suis là pour parler aujourd'hui. Donc, je me suis rendue quelque part. Et la même personne qui m'avait parlé mal de mes soucis, là, le jour là, j'ai su qui était derrière. Le jour là, j'ai su qui était derrière toutes ces histoires. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a regardé mon habillement parce que il y a des gens là, quand tu t'habilles là, eux, ils vont venir chez toi, ils vont vérifier tout parce que c'est ce qu'ils font
dans le monde là-bas. Donc, eux, ils pensent que moi, je fais partie de ce... Je ne fais pas partie de votre monde. Là. Ça ne me dit rien des choses comme ça. Donc, il y a des gens comme ça, là, qui existent. Malheureusement, ils existent. Ils viennent chez toi, là, ils regardent tout. Même ton habillement, même si tu vas à la fête, là, eux, ils sont dans les fêtes, là, ils regardent tout. Donc, ce sont des groupes de gens où je suis, je disais que je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit. C'est bien d'acheter des choses chères. Mais moi, Chantal, si j'achète sac de 5 000, sac de 6 000, il faut savoir que j'ai 1 million dans mon compte avant d'agir comme ça. J'ai 2 millions, 3 millions dans mon compte avant d'agir comme ça. Ma maison est déjà payée. Je ne vais pas être endettée, vivre dans des maisons où je suis endettée pour faire des conneries comme ça. Ce qui m'intéresse dans cette vie-là, c'est ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ce que Dieu pense de moi. Donc, je m'en fous des gens. Ce que Dieu pense de moi, là, c'est ce qui est important dans ma vie. C'est ce que Dieu pense de mes cheveux, de mon habillement. Si je porte ça, là, c'est noir, je le porte. Je m'en fous des gens, des êtres humains. Ce que Dieu pense, là, c'est ça qui est important. OK? Donc, lorsque la personne est venue après 5 ans là, et puis ben je suis allée lui dire bonjour là, et la personne m'a vue, et la personne dit ben Chantal tu es très belle. Je sais qu'elle a fait pas exprès parce qu'il y a quelqu'un qui la dérangeait pour me parler. Elle dit tu es très belle, j'ai porté une jupe et puis un haut simple, moi je m'habille. Moi, mais vous voyez, souvent je partage mes photos là, je m'habille très simple. Des choses simples. Elle dit, tu es très belle, Chantal. C'est pour mettre cette personne à sa place. Et je vois la bouche de la personne est devenue longue comme ça. J'ai regardé le visage de la personne. Sa bouche est devenue longue comme ça derrière. Il faut arrêter ça. Là. C'est pas joli à voir. Donc, avant, je pensais que la personne voulait aider. Ce n'est pas de l'aide. Derrière, quand tu fouilles, ça fait des années. Chaque fois quand je veux aller quelque part, c'est comme ça. Chaque fois quand on m'invite quelque part, c'est comme ça. Chaque fois. Donc, quand tu fouilles, il y a un serpent venimeux qui est là-bas. Donc, c'est au serpent là que je m'adresse aujourd'hui. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Toi, tu fais ça chaque fois. C'est au serpent là moi je parle. Dieu dit de prier. J'ai prié pour la personne. Il y a longtemps, j'ai prié pour cette personne-là. Très longtemps, mais deux fois il faut parler. Il y a des gens, ben ça là c'était pas, mais j'ai laissé ça là, parce que j'ai déjà parlé de ça là. Donc ça c'était une autre histoire. En tout cas, c'est comme ça dans la vie là. Tu te tais, c'est vrai, tu laisses les gens font ce qu'ils veulent, mais quand c'est trop là, il faut agir. Ouvre ta bouche là, dis Satan, va loin de moi, tu es vaincu au nom de Jésus. C'est comme ça il faut faire dans la vie là. Les choses du monde, ça ne m'intéresse même pas. Aujourd'hui, là, ce qui me fait plaisir, là, chaque année, quand je fais on fait les impôts, là, mon mari regarde ce que j'ai fait dans la vie des autres, là, il est content. OK? Il glorifie même sa femme. Il dit, Chantal, tu as un bon cœur. Ce que tu as fait, là, vraiment, moi, je n'arrive pas à le faire. C'est ça qu'on appelle l'homme. L'homme là, quand il meurt demain là, c'est ce qu'il a réalisé, là. C'est ce qu'il a fait dans la vie autrui là, qui est important. Pas aller mettre des trucs dans les yeux des gens là, c'est ça qu'on appelle une vie. Moi chez moi, ce n'est pas une vie. Vous êtes en train de vous, je ne sais même pas si vous êtes en train de vivre. Ou je ne veux pas faire partie de votre groupe là, de votre groupe de jalousie là. Moi je ne suis pas dedans. Moi je suis là pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas là dans les histoires du monde. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez entendu ma copine dire, Chantal, je sais, toi, tu n'es pas jalouse. Je ne suis pas dans votre connerie du monde où les gens se sacrifient, se prostituent pour aller seulement acheter des sacs, des habits pour porter. Je ne suis pas dans ce groupe-là. OK, respectez-moi un peu là. Moi, je suis pas. Je suis dans la gloire de Dieu et j'avance. J'avance si vous n'avez pas... Les vidéos que je fais là, je ne sais même pas si les gens là, ils écoutent. Ils ne sont même pas sur ma page même. Ok, bye. C'est un peu ça mon message. C'est terrible les gens qui... Les concurrences qu'ils font là, ne mélangez pas les gens. Il y a des gens qui sont pour le diable, le groupe du diable là. Faites vos trucs là-bas. La personne qui est en train de servir Dieu, laissez cette personne en paix.
C'est un peu mon message aujourd'hui là. Trop, c'est trop. C'est pour ça que j'ai ouvert ma bouche pour parler. C'était trop. C'était trop.